Je viens de voir un truc, c'est moi ou il y a le train de la vie qui vient d'arriver là? Mesdames et messieurs, bienvenue! C'est Cricri Setsotsof, votre chef de bord préféré! Mesdames et messieurs, le train de la vie entre en gare! Mesdames et messieurs, un maximum de remerciements à tous les subs! Hier, je me suis chauffé, genre j'étais de nouveau recalé, tout allait bien et tout en termes de rythme. Et genre hier à 3h, je me suis dit, ouais, je vais me chauffer, je vais faire ça pour demain. Ouais, je me suis couché à 7h30. Il s'est passé une dinguerie, faut que je vous montre. Avant-hier, je vais chez Actuan, il me présente son île, il me dit, bah tiens, ça c'est ma crush. Et genre, j'arrive chez elle, j'allume la télé et je m'installe. Et il me dit, bah frérot, tu fais comme chez toi, c'est trop bizarre. T'inquiète et tout, non, mais je connais, mais c'est parce que. Enfin, tranquille, t'inquiète. Et je dis, en tout cas, c'est vrai que ta crush, elle est grave mignonne. Et il me dit, comment ça? Je dis, non, mais. Enfin, genre, juste te dis, elle est mignonne, quoi, GG et tout. Et je lui parle, et genre, elle me dit que des trucs mignons. Du genre, elle m'appelle mon chou, enfin, en gros, trop sympa la meuf. Genre, vraiment, trop sympa, elle me sauce et tout. Elle me dit, je suis trop content que tu sois là, j'ai envie que tu te mettes à l'aise et tout. Et je suis en mode, dis donc, ta crush, elle est vachement tactile avec moi, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'elle veut plus que d'amitié. Actuan lui parle et. Elle commence à lui lâcher des trucs en mode ouais encore toi flûte genre en mode elle est saoulée. Du coup on commence à se marrer et on rentre dans un vrai roleplay. Et hier il était en live, je lui dis vas-y ouvre-moi tes portes. Je lui dis même pas bonjour, genre je passe à côté de lui et je trace ma route chez Rosie. Comme c'est sa tendre et chère bien aimée, il a essayé d'anticiper, il a voulu aller chez Rosie avant moi. Six pack, wesh. Ah oui attendez, vous avez raté mon entrée, regardez comment j'étais arrivé sur son deal. Frérot tu fais quoi là? Et donc ouais, en gros ça faisait genre peut-être bien temps réel, 1 à 2 minutes qu'il m'attendait. Il était caché? C'est pire, il était caché. Du coup j'ai attendu, pour passer en premier je m'étais caché sur le côté. Donc du coup il arrivait pas à pêcher au Rosie quoi, il avait beau essayer ça marchait pas. Je suis anéanti. On rappelle que de base c'est sa crush hein. Il sort, il m'a dit viens sort on va se faire un tête à tête là, il voulait qu'on se fight. Vas-y sort, je t'attends à la sortie. Pourquoi il sort pas là? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Quoi? Et attendez, la vanne s'arrête pas là hein. Faut bien penser à s'étirer après les répètes de danse. Et dans le chat, je mets les répètes de danse, ouais, MDR. Elle prend pour un con, là. Il faut aussi nettoyer tout ce qu'on a fait voler sans faire exprès, sinon ça finit par coller par... En plus, juste avant, il avait fait un sondage pour savoir genre qui allait pêcher Rosie, et j'avais perdu à 60%. Bah tiens, chien. Et j'ai poncé le jeu, mais vraiment, Animal Crossing, là, je l'ai poncé comme jaja. Donc là, on a une petite maison jusque là, y'a rien qui a changé. J'ai fait des chemins un peu partout, c'est pour ça que je dis que l'île a drastiquement changé. C'est que j'ai mis les petites clôtures et j'ai mis les petits sols. Du coup, il y avait déjà la maison de 4 qui était ici, donc je me suis dit, bah vas-y, vu qu'elle est là, et je vais mettre les autres maisons à côté. Donc la maison de Lola, juste ici. Et ça, c'est la maison de Tiffen, la petite lapine sexy un peu là. La grosse nouveauté, et c'est pas. En vrai, c'est mieux de nuit, je pense, que c'est ici. Regardez comme c'est beau. Du coup, j'ai mis une petite fontaine. Et de nuit, j'ai mis des spots en haut. Du coup, de nuit, ça fait une espèce de halo de lumière. C'est trop stylé. Mais voilà, en gros, mon île, comment elle a évolué, comment elle a step up. Je suis assez content en vrai. Regarde le titre d'Actuan. Terraforming plus j'essaie de reconquérir ma Rosie. Mais comment ça, j'essaie de reconquérir ma Rosie? Il a pas compris. Il a pas bien vu ce qui s'est passé hier, je crois. Actuan fait un ring pour te 1v1. On va aller régler ça tout à l'heure. Là, on va s'entraîner. On va s'entraîner en cachette. On va passer ma suite à tabac. Je vais lui envoyer un message. C'est quoi ton titre de live? Je vois pas ce qu'il a sur mon titre de live. J'essaie de reconquérir Rosie, je comprends pas. Tu veux mettre tu veux pécho ma meuf? Ok, on fait celui qui sait pas. De toute façon, il est pas avec elle, hein. T'as une meuf, toi. Oui, frérot, fais pas l'aveugle. Regarde la rediff d'hier. J'ai loupé un épisode. Il fait l'ignorant, Thomas. Il fait genre, il se souvient pas. En gros, Rosie, c'est ma meuf. En gros, Rosie, c'est ma meuf qui me dit. Mais il est fou, lui. C'est ma meuf à moi aussi. Est-ce qu'on a pas un costard à acheter, là? Genre, j'aimerais arriver en mode beau gosse. Que de pis. Ah ouais, oh, c'est encore mieux qu'un smoking, il est trop bien. Oh, bah alors là si je la pêche ou pas. En fait je crois qu'on va aller chez Actuan directement pour régler les comptes. Laisse ma meuf tranquille. De quoi il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Aïe, coup dur pour Guillaume. Elle a continué à marcher vers le truc. Elle force vers le tableau. Ah, elle veut l'enlever, vous pensez? Ah, ok. J'ai eu peur. Voilà, j'ai du mal à croire hein. Là, j'ai pas l'impression qu'il va y faire tomber son tableau, hein. MDR, regarde son stream à Thomas, c'est trop. Attendez, il se passe quelque chose sur le stream de Thomas? Victoire pour Mastu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Attendez, je suis excité. Je sais pas pourquoi je suis comme un gosse, là. J'avais pas vu, je comprenais pas. Il a mis sa photo, la mienne, et Rosie était entre, et elle est allée de mon côté. Attendez, regarde. Ah, il est dans le mal, il est dans le mal. Ah, puis elle fait ses petits étirements, bah ça c'est en référence à ce qui s'est passé sur le live d'hier. Alors, est-ce que ça va bien avec mon smoking? Oh là 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 là! Oh bah alors là, mais mec. Ah, il faut que j'aille chez lui. Je vais lui dire ouf tes portes. Vas-y, on y va, les gars, c'est la confrontation ultime. Bougez pas, hein. Ça reste entre nous, ok? J'avais préparé un petit coup de pute au cas où si Thomas il venait chez moi.
Ok. Ok. Je suis grave fier de ma connerie là. Ah, quoi, j'ai trois qui survolent mon île. S'il veut pas ouvrir ses portes, c'est lui qui vient et quand il va voir ça, il va péter un câble. T'as envie de me voir? Oui, et je passe voir Rosie. Ça va, Mouray? Ça va et toi? J'ai vu là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit clip de nos deux. Comment dire, t'avais mis genre une image, un cheval à gauche de toi et un cheval à droite de moi. Et j'ai vu qu'elle restait beaucoup vers moi. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a la radio qui gênait. Le sol colle un peu moins avec Chirosi là? Ouais, je crois la personne a un coup de serpillère, mais. Bah, c'était par rapport à sa danse, elle a dit là. Ouais, enfin la danse c'est un nom de code qu'on a trouvé, elle et moi quoi. Genre hier on a dansé ensemble quoi, c'est ça que je veux te dire. Je sais pas, moi aussi je danse avec elle, je chante avec elle, tu vois, genre, mais c'est pas un nom de code, enfin normal. Ouais, mais je crois que tu danses pas de la même manière avec elle que moi je danse avec elle. Tu viens passer le bonjour à ton super pote. Ouais, c'est ça, on va s'éclater là. Wow, la fête. La fête. Wow. Oh mec, attends, par contre c'est incroyable. Ah gros, j'ai envie que tu viennes chez moi. C'est tellement mieux fait chez moi, mais regardez, vous voyez la preuve d'amour. Tu fais quoi avec une rose par contre? Rien, juste c'est mon style habituel quoi. Tu sais que j'ai eu exactement la même idée que toi, sauf que moi comme j'aime vraiment Rosie, ben genre en fait j'ai mis une photo de Rosie à la place d'écrire Rosie comme un schlag quoi. On va passer chez moi vite fait, je vais en profiter pour. Vas-y, on va chez toi alors. C'est par où? Je sais plus où c'est. C'est à droite? Ah non, c'est à gauche. Non. Ouais. Ok. Ah, attends deux secondes. Yo bébé, est-ce que tu pourrais passer chez moi d'ici 5-10 minutes? Je t'attends et vite de ramener Thomas. Ok. Ouais bon, désolé, c'est un message de ma meuf. Mais attends, par contre c'est bizarre parce que je vais te présenter ma meuf aussi. Vu que t'étais sur l'île là, elle s'appelle aussi Rosie. C'est ça qui est... Ah bah non, mais gros, tu peux pas faire ignorant comme ça, t'as oublié ce qui s'est passé hier quoi. Ok, attends, parfait. Je vais vite fait parce que j'étais en tenue un peu pour traîner. Vas-y, je fais le tour de ta maison en attendant. T'as quoi de pièces intéressantes à regarder? Comme pièces intéressantes à regarder? La chambre en haut et le dîner, la salle au fond là. Et en bas t'as quoi? J'ai rien fait là. Enfin j'ai eu la salle hier et j'ai juste mis... Mais moi je crois... Justement je crois que chez moi... Je vais rien faire en bas, enfin genre en fait je vais pas rembourser mon dernier prêt je crois. Déjà là en gros j'ai fait mon studio en haut mais je vois en fait en bas ça va être des trucs genre salle de sport ou salle de musique mais ça va être trop chiant. Bah ouais c'est ça. Ouais je vois pas ce que tu peux faire. Ou alors un... Ouais une scène, un truc comme ça ouais. T'es où là? Je suis dans ta maison, je suis à l'étage. Je suis pas sûr, hein, je te vois pas. Yo frérot, yo, qu'est-ce fraté, que tu fais là? Yo fraté, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je regarde parce que... Ah oh, tu t'es habillé comme moi genre. Vas-y gros, tu peux ouvrir, c'est bon, on est entre potes là. Je peux pas le retirer. Ah merde, on peut pas aller chez elle, tu nous as bloqué là. Ah ouais, mais c'est pas grave, au pire t'es venu pour moi non? Ouais, je suis venu pour toi, mais c'est con quoi, genre... les gens ils voulaient voir ce qui allait se passer avec Rosie quoi. T'es sûr qu'on peut pas aller chez elle malgré tout? Non, j'ai testé en vrai, attends. Putain, fais chier gros, comment on va faire? Wesh! Wesh! Yes! Je suis pris mon propre piège, je peux pas rentrer. Je te lis ce que me dit Rosie. Je suis trop contente que tu sois venue et elle m'a mis une petite couronne de fleurs là, une petite couronne d'œuf pour moi. Ça prouve qu'elle m'attendait en fin de compte. Tu veux lui parler ou pas? Ouais, pourquoi pas? Vas-y. Mon petit homme m'a dit qu'on a de la visite aujourd'hui. C'est pas chouette ça? Ah bah si, c'est chouette. Oh! Oh là là, elle est pensive là, dis donc. Elle a les joues toutes roses. J'ai l'impression qu'elle fantasme là. Elle dit quoi? Off, rien d'important. Vas-y, dis ce qu'elle dit. Après tout le chemin parcouru pour venir jusqu'ici, il faut rendre cette visite inoubliable. Ah bah ça, hier c'était inoubliable. Ah, puis voilà, elle rougit quoi. Elle arrête pas de rougir avec toi! Elle vient de m'envoyer un message en scred là pendant que t'étais en train de lui parler. Comment tu penses qu'on peut faire partir Actuan de la maison? Mais frérot, tu réponds par télépathie, il est où ton portable? Dans ma main? Mais gros, moi attends, on se parle pas sur le jeu, t'es ouf ou quoi? Moi on se parle dans la vraie vie quoi. Bah vas-y gros, en vrai, va falloir que t'y ailles là. J'ai 2-3 trucs à faire. Quoi? J'ai 2-3 trucs à faire là, va falloir que tu partes. Il faut vraiment qu'il se casse ce bolos. Ok, gros vraiment, faut que tu sortes de la maison juste, vas-y pas plus de 10 minutes. Genre vraiment, laisse-nous 10 minutes. Je vais enlever encore mon haut là. Ouais voilà, là elle kiffe. Ok, elle me demande si j'ai faim. Je pense qu'elle parle du cul genre. Ouais j'ai une sacrée dalle là. Bah je t'avais dit gros, pas besoin de plus de temps, hein, c'est déjà terminé pour moi. Vas-y gros, ben je pense que je vais retourner chez moi, c'était bien sympa en tout cas. Regarde pas chez moi de trop près, ok? Je voudrais pas que tu trouves des trucs honteux. Bah ouais, ça m'étonne pas quoi, il s'est passé 2-3 petites dingueries pendant que t'étais parti. Bon ouais, c'est pas grave alors. Genre des morceaux... Ah non, des morceaux de biscuits du petit déjeuner. Ouais des morceaux de biscuits, c'est ça, des morceaux de biscuits ouais. Ça doit coller un peu les morceaux de biscuits au sol je pense. Vas-y gros, moi je rentre là. C'est trop bizarre, les gens n'arrêtent pas de me donner des paquets de mouchoirs. Mais attends, j'ai un autre endroit pour qu'on discute de ma vite fait. C'est où le endroit? C'est chez moi, viens voir. Waouh! T'as fait un ring gros, putain! Waouh! T'as de la fumée qui sort de la tête là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vas-y, on va voir dans le ring vite fait. Bah attends, j'ai pas de tenue moi, c'est pas réglo en vrai. En vrai de vrai gros, il t'arrive quoi gros? Y'a rien, tranquille. Je sais pas, t'es en train de dégommer le sac de frappe gros, qu'est-ce qui se passe? Tranquille, vas-y, monte dans le ring. Mais arrête gros! Attends, qu'est-ce qui te procure autant d'énervement là? Attends, par contre. J'ai gagné gros, sans mes pieds un peu. Pas lavé depuis 3 jours. Et j'ai marché sur ce qui collait chez Rosie hier. Ouais. Vas-y, à la prochaine gros. Quoi? Et c'est notre show-bye. Alors, ma petite Rosie, on va retirer les barbelés.
on va non mais écoutez ça quoi, écoutez ça et vous trouvez ça normal. On va retirer les barbelés gros. Et comment tu traites ta meuf? J'ai reçu un don de Rosie. Désolé Actuan, j'aime Mastu beaucoup plus que toi. Tu es pour moi un frère en or. Attends, j'ai reçu Rosie encore un euro. En fait, je dois t'avouer quelque chose. Théo, quelque chose de plus. Comment dire quelque chose de plus gros? Actuan, il a des notifs de dons sur son live. Waouh. Ah, c'est Nintendo qui m'a envoyé un message. Ouais. Ils m'ont dit Théo et Rosie étaient écrits dans l'histoire. Ah ouais, putain, chaud. Par contre, parmi tous les dons que t'as reçus, il y en a qu'un qui est de moi. Moi, j'ai dit ma théorie. En gros, Rosie et toi, vous êtes en train de me préparer une grosse surprise. Bah, effectivement, on a une surprise, mais c'est pas vraiment. C'est plus une annonce à te faire, en fait. Bon, bah, vas-y, je me lance. Avec Rosie, on projette de. Bon, déjà, elle projette d'emménager sur mon île. Et. Au-delà. Attends Mais Actuan, je sors d'ici. C'est même pas l'annonce. Voilà, avec Rosie, on projette de vivre ensemble sur cette île. On a plein de projets, on a des étoiles dans les yeux. On a des étoiles dans les yeux et je pense qu'en gros, pour la faire courte, tu m'entends, Actuan? Je pense qu'en gros, pour la faire courte, on va se marier avec Rosie. Mastu ne sait pas encore, mais je suis enceinte de lui. Quoi? C'est vrai ce que tu viens de dire chez Actuan? C'est pas une blague? Moi aussi, je t'aime! Vas-y, je te rappelle, on en reparle tout à l'heure. Désolé, je suis en live là, on en reparle tout à l'heure. Il y a quelques fois où t'as ouvert ton île, je suis allé chez toi, tu me montrais un petit peu l'avancée et je te cache pas que toi t'étais en train de retourner le terrain, moi je moi aussi quoi. Crois-moi qu'elle m'a pas appelé l'agriculteur pour rien quoi. Voilà, voilà. Et bah écoutez, moi je pense que je vais déco là tout tranquillement et je vais host Thomas du coup, comme ça vous allez pouvoir suivre son aventure avec Rosie. Allez, je vous fais des bisous, à tout à l'heure, à tout de suite sur live d'Actuan.